bonne clé de l'année, rappelant tous que chaque jour il y a des personnes qui sont obligées de fuir leur maison et de rechercher la sécurité, la protection et la paix. La journée des réfugiés était mon moment clé de l'année, rappelant tous que chaque jour il y a des personnes qui sont obligées de fuir leur maison et de rechercher la sécurité, la protection et la paix. La pandémie COVID-19 rend le monde entier vulnérable. Désormais, la vie que nous connaissions ne sera plus la même pour chacun de nous. Désormais, la vie que nous connaissions ne sera plus la même pour chacun de nous. Le virus ne connaît pas de frontières, le virus ne connaît pas de la race, le virus ne connaît pas de couleurs. Nous sommes ensemble et ensemble nous allons faire face et survivre. Chacun compte, chacun de nous contribue de son meilleur et semblable. Nous sommes ensemble et ensemble nous allons faire face et survivre. Chacun compte, chacun de nous contribue de son meilleur et semblable. La crise a aussi révélé que nous avons tous un rôle à jouer dans la société. Dans la société, maman. La crise a aussi révélé que nous avons tous un rôle à jouer dans la société. C'est dans l'ensemble que nous pouvons assurer la protection de chaque être humain. Dans la paix, on est ensemble dans les mêmes balcons. Dans la joie, avec l'amour, sans la peine, des temps qui mènent, on est ensemble dans les mêmes balcons. Pensez aux réfugiés. Le 20 juin, journée internationale pour les réfugiés. Qu'on a quitté nos pays, laissez tous ceux qu'on a, papa, amis, famille, venir ici, nombreuses elles sont le reste. La guerre, le crime, la crise politique, on fait un beau geste d'humanisme. Yeah. On fait juste un beau geste pour nous soutenir moralement, physiquement, spirituellement. Le fort soutenait le faible. C'est ça le bien-être universel. Yeah. L'amour fraternel. C'est ça l'essentiel. Restons forts, unissons-nous dans la solidarité.